Alors, tiens. Oh, j'ai trouvé un barnet. Ah! Barnet. Ah! J'ai trouvé un barnet, je peux le garder. T'es sur le camp d'ici. Yeah, allez barnet. Et comme ça on la boira cette bière. Ah, j'en étais sûr. Et un de plus. Par contre Barnet, je te préviens, si comme tous tes collègues tu as l'intention de me tirer dessus, vu que je ne suis pas transparent comme dans Team Fortress, tu ne toucheras pas les monstres, tu me toucheras moins. T'as au moindre coup de feu qui me... Au moindre coup que je reçois de Barnet, c'est une double décharge en plein dans sa tronche. Non Barnet, va pas là, c'est dangereux. Je reste ici en couverture. Tu vas couvrir quoi? Les cadavres? Ah! Die! Ah, vive le C4! Voilà, Barnet, Ah non, en fait, il pourra pas me suivre. Ah, j'avais jamais vu ça! Surrender, Freeman? Freeman? C'est pas Freeman? Bon, j'en sais rien. Ça me paraît bizarre quand même. Énergie disponible. Par où on va? C'est bien d'être allé là, mais ça sert à quoi? Bon bah, on a trouvé la fusée. Heureusement que c'était pas une ogive nucléaire, parce que là, ça aurait été un petit peu problématique. Alors, où est-ce qu'on va? On descend. Ah! Ils sont où? Alors, qui sont... Si je savais... Ah, bonjour. Ils sont tellement débiles, ces NPC dans ce jeu, c'est génial. Munition de Magnum, je les ai à fond. Je devrais en profiter. Waouh, ça c'est cool. Voilà. On va y aller au Magnum, ça va être puissant. Parce qu'un headshot avec cette arme, ça one shot. On va y aller doucement parce que là, j'ai peur de tomber encore sur un piège. Ah. Ah, il est où? Headshot. Bon, vu que je n'aime pas cette... Ah merde, j'en ai plus qu'un. En fait, on ne va pas toucher à ces trucs. Non, non, on ne touche pas aux mitrailleuses. Et Magnum. Marche arrière. Ah, j'aime bien ce truc, ça bute les crabes de tête. Non, 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 non. Perdre toute mon armure et tous mes points de vie. You're dead, Freeman. You're. Ya. You're dead, Freeman, d'accord. Pardon, Freeman. Je crois que c'est un scientifique allemand qui a laissé le message, je sais pas. Yo, dead Fleman. Bon, je vais arrêter. Aucune chance. Voilà, j'aurais pas dû me moquer des Allemands. Il s'est fait exploser. Stop. Il s'est fait exploser ce con. Et moi, faut que... Là, il y a une porte. Non, il y a de la vie, c'est mieux. Les portes, on peut pas se soigner avec. Bon, j'ai pas compris pourquoi, mais bon. Ou alors, il a... Son épaule a heurté le train et ça l'a fait exploser. C'est pas grave.
Ah oui, la physique dans les premiers jeux Valve, c'est très particulier. Ras le bol. Hey. Faut rester concentré mais non-stop dans ce jeu, c'est terrible. Là, je sens encore un piège à la con. Accélère. Alors, 1, 2, oh là, il y en a combien là, ça va là. Oh, stop. Et ça se reproduit à une vitesse ces trucs. Alors, on sauvegarde. S'il y avait un militaire là-haut, bah, je pense qu'il a un peu pris cher. Voilà. Du C4, c'est toujours pas... Connard! Putain, je vais te le faire bouffer, ton lance-grenade! Oh. Allez, cette fois... On va employer les grands moyens. T'as l'autre qui m'attend de l'autre côté du mur avec son lance-grenade, tu vas voir. Voilà. Ça prendra. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis ce C4 en fait. Yep. Et voilà, tout simplement. Enfin, rien n'est simple dans les Half-Life. Il y a toujours une merde au dernier moment. Voilà. Dommage que dans l'épisode 1, on n'en voit pas de nains de jardin comme dans le 2, dans l'espace. C'est drôle. Mitrailleuse lourde. Qui ne sert à rien vu qu'il y a une plus grosse mitrailleuse lourde à côté. Oh putain. C'est ça. Le fusil à pompe à distance, ce n'est jamais pratique. Sauf exception dans Bad Company 2. Quand on a la visée plus. Putain. Voilà. Comme ça tu bougeras moins. Alors, comment on se débarrasse de cette merde? Je l'ai eu. Ouais, en fait, cette mitrailleuse lourde, elle ne servait à rien. C'est juste pour le fun. Oh, une mitrailleuse, mais vous ne pouvez pas vous en servir. De toute façon, tout grand malade qui se respecte adore les mitrailleuses lourdes. La caisse inutile. Pat, pat, pat. Voilà. Mais ils en ont beaucoup des caisses qui servent à rien comme ça. Bon, moi je continue, c'est pas grave. Aïe. Ah, vivement que ça soit terminé cette phase en train. Parce que là. Je sais pas vous, mais le fait qu'un ascenseur juste à côté
Genre, allez-y, si vous voulez, vous pouvez prendre l'ascenseur. Moi, je dis que c'est une bonne idée de le prendre. Ah, mais je me rappelle de ça. C'est drôle. Hop. Alors, nous disions... Hop. Voilà. Et je me rappelle de ce truc, il y avait un enfoiré de militaire au lance-grenade qui nous attendait. Ah, une petite seconde. Oh, du Sega. Ils ont tout prévu en plus. Le C4, c'est vraiment drôle. Voilà. Et là, quand on arrive en haut... Voilà. Ah oui, il y avait des appareils photo avec laser et un mec éventuellement qui devait se trouver là. Comment économiser de la vie et des munitions? Alors je crois que c'est en bas.